c'est pour les nations. Parce que ça ne se retrouve pas d'employés là-bas. Amen. Donc, pratiquement, c'était une ville mélangée. Un quartier mélangé. Un campement mélangé. Amen. Et c'est de là-bas encore qui est sorti. Bon. Hein, Ruth et des nations. Amen. Donc, quand Ruth est revenue, elle a marié quelqu'un de Bethléem. Amen. Donc Dieu s'est arrangé pour que ça soit 100% nation. Hein? Parce que, d'abord, ils sont déjà mélangés d'abord pour avoir un peu. Donc là-bas, on dit qu'ils sont mélangés un côté juif, un côté nation. Maintenant, Ruth, elle est nation. Carrément nation. Elle vient, elle se marie à quelqu'un qui est moitié-moitié. Hein? Un côté nation, un côté juif. Donc, lui prend ça encore, il se mélange avec quelqu'un qui est complètement nation. Donc, la progéniture qui sort maintenant, on peut dire qu'il n'y a même plus juif dedans. Tout devient nation. Et c'est là-bas le papa de David est sorti. Donc, quand David est sorti, il est complètement africain. Tout à même. Il est complètement africain. C'est pour cela que quand il a commencé à danser, les blancs ne se sont pas reconnus dans sa danse. Il dansait comme un Africain. Amen. Il louait Dieu comme un Africain. Il sautait, il tombait sur sa tête. Et les gens étaient étonnés. Ils ont commencé à dire, non, toi ton adoration, ça ne ressemble pas à nous les rois ici. Amen. Et c'est comme ça, aujourd'hui on adore à l'église. On adore comme l'Africain. L'Africain, sa vie. Puis amen. Son comportement là a montré qu'il est Africain. Ce n'est pas n'importe quelle nation. C'est une nation africaine. Amen. Voilà pourquoi quand nous on adore, ils ne sont pas comme les blancs formalistes là. Ils sont arrêtés comme des robots. Hein? Mais si leur fille est là, fait anniversaire, tu vas voir ce qu'ils vont faire là-bas. Hein? Quand tu vas dans l'église, tout le monde est Jéhovah, sont là. Hein? On a un frère, un neveu. C'est là-bas il va. Quand il vient, il est arrêté comme ça, il ne bouge pas. Mais pourquoi tu ne bouges pas? Il dit là-bas, hey, il ne bouge pas. Hein. Ça, il a demandé, mais quand tu fais les petites fêtes à la maison, là, tu ne bouges pas. Il dit là-bas, il bouge. Amen. Donc, nous, on a l'adoration de David. Amen. Donc, que Dieu bénisse le révérend. Et cette parole avec beaucoup d'inspiration et beaucoup d'onction. Je crois que vous êtes déjà béni. Amen. On va lire un peu seulement, on va parler un peu. On va prendre Romains chapitre 9. Chapitre 2, verset 29. Comment commencer verset 28? Le juif, ce n'est pas celui qui en a le théor. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les théors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Va t'asseoir. Amen.
Je viens de faire un déménagement kamikaze. Le déménagement le plus catastrophique de l'histoire. Amen. De l'histoire des hommes. Amen. Donc, et on a l'habitude de déjeuner le matin avant de venir à la chaise. Nous ne sommes pas comme le révérend qui ne mange pas. Amen. Ce matin, je n'ai pas pu prendre quelque chose comme je suis un peu faible. Donc, on va faire un peu plus, comme d'habitude. Et dans le déménagement, il y a le frère David qui m'a aidé à une somme de 5000 francs. Parce qu'au moment de déménager même, il n'y a pas un rond. Mais on doit déménager. Mais il n'y a pas un rond. On ne va pas charger les bagages à sur nos têtes à un kilomètre là. Ça peut faire 4 kilomètres, hein, le déménagement là. La distance au milieu. Donc, ça nous a permis à faire des voyages. Mais ça n'a pas suffi pour transporter tous les bagages. Donc le lendemain matin, on devait continuer. Mais là au moins, Dieu m'avait déjà donné quelque chose dans la soirée. Donc je pouvais faire les dépenses. Les dépenses de la suite du déménagement. Mais à la veille, ça veut dire le jour où on a fait partie les deux voyages, c'était le jour de la Sabbatie. La fête de nos frères musulmans. Amen. Donc, on a nos frères musulmans qui sont venus nous rendre visite. Et dans la soirée, quand ils sont arrivés, ils ont constaté que nous sommes en déménagement. Et on a compris qu'il fallait les expliquer en même temps la situation qu'on vivait. Mais c'était pas trop intéressant de raconter ça aussi facilement. Au moins si la personne tombe dedans, là, tu es obligé de l'expliquer. Mais il faut savoir que à chaque fête de musulmans, on a deux familles musulmanes qui nous envoient de la nourriture et de la viande fraîche. Donc, à chaque fête, à du Ramadan et Tabaski, les deux familles ne manquent pas. Quelles que soient les difficultés, ils envoient notre part. Donc, ce jour-là, la première famille est déjà passée et la deuxième famille est arrivée aux environs de 20h. Et quand je lui ai expliqué la situation qu'on était dedans, il a dit bon, le monsieur a dit bon, le lendemain, il allait trouver trois pneus, trois roues, hein, ceux qui transportent les bagages pour nous. Donc le lendemain matin, il a trouvé les trois roues. Donc l'engin est venu, ils ont fait trois voyages. Et comme ça, pendant qu'ils ramassaient, je l'ai appelé. J'ai dit, ils sont arrivés, vous avez visité le plus combien? J'ai dit, non, ils n'ont qu'à ramasser seulement. J'ai dit, ok, c'est déjà bon. Et ils ont commencé à ramasser, ils ont fait trois voyages. Après les trois voyages, je l'ai appelé. J'ai dit, ils ont fini les voyages, hein? Et on fait comment? Il dit ok, ils vont le trouver et puis ils vont discuter et puis ils vont me faire signe. Donc jusqu'à ce qu'on va trouver toute la nuit, il ne m'a pas rappelé. Dans le lendemain matin, aujourd'hui matin, il est appelé. Il dit ah, comme tu devais me rappeler, tu me fais le point, tu ne m'as pas rappelé. Ça, il t'appelle.
Il m'a dit non. Et ça, c'est entre lui et ceux qui ont transporté les bagages. Voilà, c'est lui, ce que lui me demande. Et il a beaucoup insisté dessus. Il a dit de prier beaucoup pour lui. De porter beaucoup en prière. Amen. Parce que il y a un jeune frère qui est décédé dans ce quartier par un accident de moto. Où ça avait carrément coupé les jambes. Les deux jambes. Et ils l'ont transporté à l'hôpital de Bordeaux. C'est là qu'il a laissé son dernier soupir. Le jeune homme était tellement gentil avec nous qu'il y avait du mal même à aller qui y a à la famille. Donc c'est comme ça que, mais le jour de sa mort, je sais que Dieu a fait quelque chose pour lui. Et comme on habitait derrière le quartier, donc quand je dois aller en ville, chaque fois je passe ici pour aller en ville, sur moto. Et le samedi, je suis passé là sur moto. Aux journées 10h, 11h, ou bien 14h, 15h, j'étais sûr, dans cette journée, je passais là. Je ne me souviens plus de l'heure. Et quand j'ai commencé à traverser le quartier, le carrefour du quartier ici, pour aller vers le pont, sa pensée est venue dans ma tête en même temps. Amen, amen. Et le frère là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Hein. Donc, sa pensée est venue comme ça, mais ça m'a marqué. Mon esprit ne vient pas comme ça sur lui. C'est comme ça, la moto, je suis entré dans le pont, je suis sorti, je suis parti. Le lendemain matin, c'est dimanche, je prends la famille sur moto, on arrive sur le carrefour, les policiers nous arrêtent. Ils disent pourquoi j'ai pris beaucoup de personnes comme ça sur moto là. Ma femme derrière avait bébé. Mon petit garçon devant, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé hier à Mbussi. Il dit non, je ne suis pas au courant qu'il y a eu quoi là-bas. Chez moi, il y a eu manifestation, fait un truc comme ça. Et il dit il y a quoi là-bas? Il m'a dit ah, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, c'est pour ça qu'il fait ça. Donc, comme ça, il nous a libérés. On est arrivé à l'église. Et après le culte, que les frères et les sœurs nous ont informé que notre jeune frère musulman était dans le quartier hier, il a eu l'accident et il est mort. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le policier avait dit pourquoi j'ai pris toute ma famille comme ça. S'il était au courant de ce qui s'est passé en Russie, il n'allait pas faire ça. C'est là que j'ai compris pourquoi il a dit ça. Et c'est là aussi que je me suis dit, mais dans la même journée d'hier, mon esprit est parti sur lui au moment où je traversais le quartier. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais que le fait qu'on se croise, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, quand vous donnez de l'eau à un de mes petits, c'est à moi que vous me l'avez faite. Et au jour du jugement, je dirai, passez à ma droite. Amen. Et nous savons que le fait qu'on se frotte au matin, midi, soir, et qu'il y a certains qui arrivent à faire ce que d'autres ne peuvent pas faire avec nous, on sait que Dieu ne peut pas oublier ça. Amen. Donc que Dieu bénisse vraiment tous les frères qui m'ont soutenu dans ce déménagement, le frère Joël, amen. Il est revenu en bon point. Hein? Il est tombé en bon point. Amen. Parce que ses services m'ont vraiment aidé. Amen.
et je crois qu'il va continuer comme cela. Amen. Et tous les frères à Capao, tout le monde, qui met de près et de loin dans cette traversée du désert. On a pensé comme ça à cause de... On a parlé de maisons inachevées. La sœur a l'habitude de dire, hein, la sœur pasteur, hein, ma sœur. Elle a l'habitude de dire, quand je prêche ici, c'est ce qui arrive dans notre vie. Et ta voix est dit à moi, je ne remarque pas ça aussi. Peut-être que tu fais ta remarque. Mais c'est hier là, ou bien, je peux dire hier matin, ou bien avant-hier, que j'ai vu qu'on dirait que c'est ça. On a pensé que les gens dorment dans la maison inachevée. Tu t'amènes. Et finalement, c'est nous, on dort dans la maison inachevée. Amen. Maintenant, regardez la forme de la chose. On a placé la chose spirituellement que les gens doivent construire leur temple. Hein, les fondations ont été posées, ça doit construire. Et il ne veut pas que ça continue d'être construit. Ils sont venus trouver à un niveau où Malachi 4, où Bernard m'a posé le fondement quelque part. Dans la maison est à un niveau. Où les sept anges ont mis la maison à un niveau. Et quand quelqu'un vient, il dit qu'il ne faut plus compléter. On n'a qu'à rester au niveau où ça est là. Donc ils sont dans la maison inachevée là. Parce que chaque fois quelqu'un doit venir compléter, compléter. Amen. Et donc j'ai représenté la bouée spirituellement. Et c'est là que ça joint à la prédication du dimanche passé. Le souffle de douleur. Amen. Dieu avait dit à un de ses prophètes, quand il a dit le révérend, va voir le nom, que va te marier à une prostituée. Osée, va te marier à une prostituée. Et ça va montrer ce que le peuple d'Israël est en train de faire actuellement. Osée n'a jamais dit qu'il veut marier une prostituée. Il veut marier une femme sage, une femme bien, une femme qui n'a jamais été touchée par des mains d'homme. Écoutez là, vous les soeurs, si vous voulez avoir de la valeur demain, ne soyez pas touchés par des mains d'homme en parcours. Amen. Si moi je suis papa d'une fille et que la fille a été déjà déshonorée par sa mauvaise pensée en suivant ses camarades à tuteur partout, elle s'est fait déshonorer là-bas et que finalement quelqu'un veut la marier, si ça doit coûter 500 000, je dis pas prendre ça à 500 000. Il y a 410. Prends ça à 500 000. Elle n'a plus de valeur. Elle se fait déshonorer. Mais comme il y a eu quelqu'un qui veut la comprendre dans sa situation et prendre comme ça, moi aussi, elle comprend la personne. Il a donné ça comme ça. Mais si elle s'est gardée chaque comme une vertu bien protégée, jusqu'au mariage, j'ai montré au monsieur que c'est un fruit gardé par l'ange de l'Éternel, les deux gardiens avec l'épée de la parole, où tous les démons ont essayé, mais ça a été protégé. Donc tu vas laver l'enfant de ces anges-là. Dis amen. Il a la dot. Sera en bonne et due forme, selon la compétence de ce qui est devant moi. Si c'est un ministre qui est venu, on ne va pas dire qu'il faut donner 100 000.
Allemagne, un ministre vient prendre ma fille et puis il a dit non, pour te faire 200 000. Mais c'est foutu. Quand lui va, 200 000 c'est son déjeuner. Pour donner la somme par rapport à la poste de la personne. 200 000 c'est son déjeuner, c'est son week-end. Il a dit il faut payer 10 millions. Fais pas 10 millions, tu ne prends pas femme là. Ils n'ont qu'à me juger comme ils veulent, je m'en fous. Amen. Mais si c'est un instituteur qui vient, il connaît son salaire. Donc pour rapport à son salaire, il a dit ok, prends ma fille à 200 000. Amen. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, que Dieu bénisse. Donc vous voyez que aujourd'hui on a pris des tableaux, aujourd'hui on allait faire un peu un tableau. On parle de circoncision, hein? Amen. Et nous voyons que le nom d'Abraham, c'était Abraham. Et le nom de Sarah, c'était Sarah. Ouais, ouais, je suis la voix d'abord. Les fins des choses. Abraham et puis Sarah. Qui a fait ces choses? Parce qu'on parle de circoncision. Le père d'Israël était circoncis. C'est le signe qu'il avait donné à Abraham. Il dit, vous serez circoncié. Ça sera une alliance entre ton peuple, tes descendants et puis moi. Donc, quand Isaac a commencé à grandir à l'âge de 8 semaines, Dieu a dit qu'il doit être circoncié en 8 jours. Hein? 8 jours. Et c'est comme ça aussi, Isaac a circoncié ses deux enfants. Donc, il a circoncié Jacob à 8 jours. Jacob aussi a circoncié les 12 patriarches à 8 jours. Et les 12 patriarches, maintenant, ont peuplé tout Égypte. Amen. Ils étaient vraiment féconds. Dieu avait mis beaucoup d'enfants dans leur ventre. Ils ont commencé à devenir une nation dans une nation. Donc la différence d'eux et puis cette nation est que ce peuple-là, il coupait leur prépice. Et que le peuple juif, le peuple égyptien ne coupait pas leur prépice. Donc c'était une différence entre le peuple d'Israël et le peuple égyptien. Amen. Dieu a envoyé Moïse. Il a dit à Moïse que tu vas faire sortir mon peuple. Mais je vais te donner les signes que tu vas manifester en Égypte. Donc, maintenant, il a commencé à faire les signes. Les signes qu'il faisait ne touchaient pas le peuple d'Israël. À cause d'une chose. Ils habitaient un quartier qu'on appelait Goshen. Donc chaque fois que le peuple d'Israël était en Goshen, ils étaient protégés de tous les fleurs qui frappaient en Égypte. Donc quand leurs marchandises étaient, bon ça se promenait partout. Donc ils avaient les moutons, ça se promenait partout. Ça pouvait se retrouver dans le quartier des Égyptiens. Mais quand Dieu devait frapper, il faisait la différence entre les animaux des Juifs et les animaux des Égyptiens. Amen. Amen. Donc la circoncision continuait à avoir effet. Mais il est arrivé un temps où Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, je vais me passer de la circoncision. Chacun va tuer un agneau, il va prendre le sang. Et il va mettre le sang sur sa porte. Et c'est ça que je vais prendre pour mettre la différence entre eux et puis l'Égypte. Donc, couper Pina, Dieu ne regardait plus ça. Tout amen. Dans les tampons, pour qu'ils vont comprendre. Pas obligé de dire les propres mots, ça, c'est pas notre affaire. Amen. Donc, quand vous comprenez, Dieu a accepté la circoncision de la chair jusqu'à un certain niveau. Et cette circoncision de la chair s'est arrêtée. Et Dieu maintenant a réclamé autre chose pour identifier son peuple. Amen.
Et la même chose se passe avec le peuple surnaturel, avec le peuple esprit. Amen. Israël spirituel. Quand le Seigneur Jésus était venu, le Seigneur Jésus est venu trouver un peuple qui était complètement circoncis. Et tous là, leur pied était coupé. Amen. Mais une chose, dans le nom d'Abraham et dans le nom de Sarah, parce que quand Dieu avait commencé son monde, il avait créé les anges. Donc tous les anges étaient les anges de lumière. Donc Michael était ange de lumière. Lucifer était l'ange de lumière. Absinthe, tous étaient anges de lumière. Donc eux tous étaient la même chose. Amen. Mais Dieu devait mettre la différence. Arrivé un certain temps, il y avait Lucifer qui a commencé à réclamer quelque chose. Oh, Dieu avait créé les anges d'une certaine façon. Amen. Les anges étaient comme des robots. Un robot, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. On lui prépare du foutu, il prépare du foutu. Il ne sait pas faire du riz. Amen. C'est ça un robot. Donc les anges, ils n'ont pas à faire le choix. Et ils n'ont pas une affaire de choix en eux. Quand une situation arrive, et ils ont un. Et ils n'ont pas deux. Dites amen. Donc c'est quoi Dieu avait créé les anges. Mais il y avait les anges parmi les anges. Eux, ils n'étaient pas circoncis. Donc leur pied n'était pas coupé. Amen. Donc ils ont commencé à se retrouver dans une situation où ils avaient des choix. Or les autres, ils n'ont pas de choix. Donc Satan, le maître des choix, c'est lui qui a commencé à avoir choix. C'est lui qui a commencé à avoir les pensées d'un peu. Qu'on peut faire comme plus que Dieu, on peut créer un peuple différent de Dieu, on peut créer notre nation différente de Dieu. Lui, il a commencé à avoir les pensées de Dieu. Parce que lui, sa fille n'était pas coupée. Là, on se comprend bien là. Les autres mots là, on ne s'en sort pas. Amen. Mais il y avait des anges aussi qui étaient identiques à Satan. Il y avait du répondant avec Satan. Quand Satan commençait à manipuler le choix, sa vie n'était pas comme un robot. Il avait le choix. Il y avait les anges parmi les anges aussi qui étaient comme lui aussi. Ils n'étaient pas aussi des robots. Mais ils pouvaient accepter comme refuser. Tout amen. Bah, ils n'étaient pas si concis. Donc quand il a commencé à manifester ce côté, aussi ce côté a commencé à se manifester. Mais il y avait des anges parmi des anges, et ils n'avaient pas cette possibilité. Et il n'y avait pas d'eux. Il n'y avait pas de possibilité en eux de chuter. Il n'y avait pas de possibilité en eux d'accepter autre chose. Quelle que soit la bonté que Lucifer présentait, il n'y a rien en eux qui pouvait dire que vous préparez du riz tassé. Non, je suis là pour piler le foutu et pile du foutu. Non, du riz tassé est tout. Hein. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je pile mon foutu. Est-ce que vous voyez la logique? Donc c'est comme cela que Dieu avait créé l'homme. L'homme allait créer comme tout. Hein, comme Dieu. Amen. Et Lucifer était comme Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que quand l'homme a chuté, Dieu a dit, il est devenu comme l'un de nous. Amen. Dans l'un de nous, il y a deux Français dedans. Amen. Dites amen. Amen. Quand l'homme avait chuté, Dieu a dit, on n'a qu'à bloquer ça de l'arbre, du fruit de l'arbre de vie. Parce que l'homme est devenu l'un comme l'un de nous. Comme l'un d'eux, il y avait un parmi eux qui avait le choix. Il y avait un parmi eux qui connaissait le mal et le bien. Il y a un parmi eux qui avait une grande connaissance, qui pouvait pivoter sur les deux connaissances. C'était Satan. Mais les anges, ils ne connaissaient pas ça. Dieu ne parlait pas à Michael. Dieu ne parlait pas à Gabriel. Dieu parlait au Logos, à l'éternité en lui. Amen.
Comme il y a un frère qui me disait, il dit, mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que cet homme domine. Amen. Comment ça s'est fait? La voix là a résonné au ciel, la personne a été où? Et puis il a parlé au Logos, faisons l'homme à notre image. Il a posé la question. Et son inquiétude n'y était pas, où son inquiétude se trouvait. Mais c'est sa question, il l'a posée, il me rappelle. Et je lui ai dit, le fait que Dieu dise, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que cet homme domine, faut pas penser que forcément ça soit redonné au ciel, comme quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, une voix a retenti au ciel, ici est mon fils bien-aimé, en tout les plans perdus, dit demeurez. Il ne faut pas comme ça que tu vas comprendre. Parce que l'éternité était dans le Logos. Donc ça parlait en lui, faisons l'homme à notre image comme une inspiration, comme une révélation, comme quelqu'un qui te parle à l'oreille, à ton cœur. Donc cette fois-ci, tu sens que c'est quelqu'un qui a quand même besoin. Qui t'amène. Quand la personne peut se trouver dans le Logos, et tu le Logos, comme quelque chose qui te parle en soi-même, faisons l'homme à notre image. Donc ce n'était pas une voix qui venait du ciel, mais c'était une voix qui venait de l'intérieur du Logos. Amen. Amen. Pour montrer que quand Elohim s'est présenté dans le Logos représentait Elohim. Donc ce n'était pas deux jets. Donc quand Elohim devait s'exprimer, il devait s'exprimer dans l'être qu'il a déjà représenté à son image. Amen. Alors, comme l'un de nous, dont Adam a commencé à connaître le mal et le bien, parce que Dieu l'avait créé différent des anges, dont lui n'était pas un robot. Aujourd'hui, il peut dire, je pile du foutu, demain, il peut dire, je prépare le riz cassé. Il avait le choix. C'est pour cela que Dieu lui a donné cette possibilité de choix en lui, pour que cette qualité qui est en lui soit exploitée. Amen. Alors maintenant qu'il a connu le bien et le mal, il est devenu comme l'un d'eux et il est devenu comme Dieu aussi. Amen. Donc il y avait quelqu'un qui était circoncis et puis il y avait quelqu'un qui n'était pas circoncis. Il y avait quelqu'un que Dieu avait arraché quelque chose. Il y avait quelqu'un que Dieu n'avait pas arraché quelque chose. Amen. Le nom d'Abraham et le nom de Sarah. Les anges qui étaient en Dieu, quand ils ont regardé Satan en train de prêcher son évangile, ils ne pouvaient pas accepter Satan parce que leur pied était coupé. Maintenant, en même temps, Dieu avait donné le nom, où son nom était dans les anges. Tu t'amènes. Quand Dieu a dit Abraham, donc Abraham, quand il est sorti de ses parents, il s'appelait Abraham. Et Dieu a dit, toi, je vais te donner mon nom. Donc au lieu de couper ton nom, je vais compléter. Alors là, il a mis le Ham dessus. Donc ça devient Abraham. Donc tu as complété son nom Elohim, sur le nom d'Abraham. Maintenant Sarai, elle est sortie avec les prépuces. Amen. Elle est sortie avec un superflu. Elle est sortie avec quelque chose de plus que Dieu doit couper. Alors que Dieu a donné son nom, Dieu est devenu enlever ce qui faisait qu'on lisait ça en Sarai. Et pour s'arrêter à Sarah. Vitamine. Donc quand Dieu est circoncis, il y a ce qui tombe de plus, il y a ce qui enlève qui n'est pas de lui. Donc quand Jésus était venu, Jésus était venu trouver un peuple où tous étaient circoncis. Mais quand il a commencé à se promener, il a trouvé des personnes qui étaient non seulement circoncis, mais ils avaient un nom de plus. Ils avaient quelque chose de plus qui était en eux.
Ils avaient le nom de Dieu qui était en eux. Ils avaient le rang d'Abraham qui était en eux. Dites amen. Donc ça faisait une différence entre eux et puis les autres. Amen. Et Dieu a commencé encore à susciter un nouveau peuple. Alors le nouveau peuple, maintenant Dieu dit, la circoncision de la chair, ce n'est pas ça que Dieu regarde, c'est la circoncision du cœur et de l'esprit. Amen. Donc quand nous les chrétiens, on a commencé en tant que religion chrétienne, en tant qu'Israël spirituel, notre circoncision c'était du cœur et d'esprit. Donc on a commencé maintenant comme eux là maintenant. On a commencé par cette circoncision là. Mais on doit évoluer. Parce qu'il va arriver un temps où Dieu va faire comme eux. Cette circoncision là ne m'arrange plus. Je vais donner quelque chose de plus. Et c'est ça qui va faire la différence. Dites amen. Et ce quelque chose de plus qu'on se trouve dans le nom d'Abraham. Il faut que les gens aient ce quelque chose de plus. Dites amen. Le frère Benham dit, l'homme, il n'y a pas de tableau, donc on va parler, vous allez essayer de comprendre. L'homme, quand Dieu descend, il donne un nouveau esprit. Un nouveau cœur, un nouveau esprit. Donc, quand il est descendu, il te donne un nouveau cœur. Le cœur est là. Et dans le cœur se trouve ton esprit. En plein milieu de ton cœur se trouve ton esprit. Alors Dieu va continuer après t'avoir donné le nouveau cœur et va te donner un nouveau esprit. Donc le circoncis là, il commence à agir comme un chrétien. Tu n'aimes pas les musiques mondaines. Dimanche, tu ne peux pas rester à la maison. Tu commences à t'habiller comme une chrétienne. Les longues robes, tu ne peux plus porter pantalon comme les jeunes filles dans la rue. Ça, c'est le nouveau cœur et le nouveau esprit. C'est ça qui est en train de te faire marcher comme cela. Donc, les nouveaux chrétiens ont commencé à évoluer avec ce nouveau cœur et ce nouveau esprit. Mais ils devraient avoir quelque chose de plus. Passer après la circoncision que Dieu fait dans le nom de Sarah, il faut avoir le nom de plus que Abraham avait sur son nom. J'espère que vous me saisissez. Amen. Alors, ils se sont circoncis depuis le cœur et depuis l'esprit. Donc, le peuple a commencé avec cette circoncision. Et Dieu regardait ça pour identifier son peuple. Quand son peuple a commencé à se faire différent du monde, a commencé à sortir du monde, a commencé à avoir un comportement différent du monde, il ne s'identifiait plus au monde. Amen. C'était un nouveau esprit. Ça leur permettait de croire la Bible. Ça leur permettait de croire ce que Jésus disait. Ça leur permettait de commencer à raisonner de façon différente à ce que leurs parents disent et à ce que la Bible dit maintenant. C'est le nouveau esprit. Amen. Le nouveau cœur, c'est de pouvoir accepter ce que Dieu te dit, de pouvoir accepter le commandement de Dieu. C'est le nouveau cœur que Dieu te donne. Parce que les païens ne peuvent pas accepter. Mais toi, tu commences à accepter, tu as un nouveau cœur, tu as un nouveau esprit, un nouveau comportement, une manière de penser différente. Donc, tu as un esprit différent. Amen. Or, en plus de cela, Dieu donne le âme aux gens. Donc, dans le peuple qui était là, il y avait ce que Dieu reconnaissait, que tous ils étaient circoncis de cœur et d'esprit, comme tout le peuple d'Israël qui était circoncis, mais il y avait parmi eux qui avait son nom en eux, et que c'est cela qui devait hériter. Ce n'est pas le fait d'envoyer un nouvel esprit. On ne prend pas ça pour aller au ciel. On ne prend pas le nouveau cœur pour aller au ciel. Qui t'amène? L'apôtre Paul a tranché ça. Il dit, tu peux être circoncis, on peut couper ta fille et puis vivre comme un païen. Et le païen, même que sa fille n'est pas coupée, lui-même va vivre la parole pour te dépasser. Et lui-même va te condamner sur ton attitude, toi que tu es circoncis là. Alors, il montre que la circoncision en réalité n'est rien. Or, Dieu disait que c'était important.
C'était à cause de ça que Dieu voulait tuer Moïse. Mais quelqu'un se lève aujourd'hui, dit, c'est pas important. Dis amen. Les gens, ils vont te crucifier. C'est pour cela ils vont toujours crucifier quand la parole de Dieu descend. Ils vont toujours crucifier le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va toujours actualiser la parole. Amen. Au moment, c'était un commandement dans tout Israël. C'était une obligation. Si on ne t'a pas coupé ta peine, on t'exclut rapidement. Tu ne peux pas être dans le peuple. Quelqu'un se lève dans le peuple ici, ce n'est pas important. C'est un rebelle. On doit le tuer. C'est comme ça qu'ils les ont tués. Donc, quand on a commencé à continuer, il s'est trouvé que la circoncision du cœur et d'esprit a commencé à prédominer sur ce qui devait être le nom de Dieu qui complétait sur eux et que Satan n'avait pas ça. Donc tout le peuple de Dieu, ça va commencer depuis la Pentecôte dans la Bible, arrivé à un certain moment, toute l'église était remplie de nouveaux esprits et de nouveaux cœurs. Mais ils n'avaient pas le surplus de Dieu. Amen. Donc ils sont circonciés, mais ils n'avaient pas le surplus de Dieu. Alors Dieu descend en ce temps de la fin dans un prophète qui vient nous visiter et qui vient trouver la même situation que quand Jésus était venu l'a trouvé. Il vient trouver la même situation. Comme Jésus a dit, mon retour sera comme quand je suis venu pour la première fois. Et quand il revient les choses spirituelles, il vient trouver la dénomination. Tout le peuple chrétien, ils ont un nouveau cœur, un nouveau esprit. Ils sont tous inconscients, mais quand ils regardent dedans, ils n'ont pas le âme d'Abraham. Ils n'ont pas le âme, c'est le nom de Dieu qui a été complété sur le nom d'Abraham. Amen. Alors maintenant, Branham sort avec la parole. Et quand ils sont avec la parole, ceux qui avaient les âmes en eux ont commencé à reconnaître cette parole. C'était la minorité. Comme au sein de Jésus, c'était la minorité qui avait les âmes en eux pour reconnaître la parole de leur temps. Alors au sein de Branham, la minorité qui avait les âmes ont commencé à reconnaître la parole de leur temps. Et la majorité qui était circoncis ont rejeté. De toute façon, on parle la longue robe. Tous les dimanches, je suis à l'église. J'ai pris des habitants chaque jour. Dites amen. C'est que tu... Amen. Je vais fermer cette parenthèse. Donc, nous voyons que quand Branham est venu, il a trouvé un peuple, et dans ce peuple, il a trouvé des gens qui avaient le surplus, qui avaient des âmes en eux, qui ne pouvaient jamais tomber. Alors, ils se sont reconnus à la promesse de la parole de leur temps. Et quand cela est arrivé, tous ceux qui sont entrés, la majorité avait les âmes. Mais cette parole-là, quand ça vient de sortir, ça n'a pas encore eu le temps de mettre sa main dedans. Donc, la majorité avait les âmes. Mais arrivé un certain temps dans le message, le nouveau esprit et le nouveau cœur a commencé à prédominer encore. Dites amen. Comme on disait dimanche passé, quand un jeune naît, il doit atteindre la maturité. C'est quand la maturité arrive, ça doit sortir un fruit. La maturité de la loi a sorti le fruit Jésus. Et la maturité de la Bible a sorti le fruit Branham. Alors la maturité du message doit sortir encore un fruit. Amen. Acclame le Seigneur. Donc le message a commencé à faire son parcours. Or nous savons que plus la chose avance, plus tout ce qui est de Dieu commence à s'éteindre, et c'est tout ce qui est de Satan qui commence à se multiplier. Et l'histoire ne va jamais changer. Et quand nous arrivons au bout du tunnel, quand on regarde, les gens qui ont le Saint-Esprit ne sont plus nombreux. Avoir un nouveau esprit n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le nouveau cœur se trouve là.
et ton esprit, que Dieu change en esprit nouveau, se trouve en plein milieu de ton cœur. Et dans ton esprit nouveau, Dieu envoie le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu fait le travail en toi ce temps. Il va changer ton cœur, changer ton esprit, et puis il envoie le Saint-Esprit. Mais ça, c'est cette troisième étape que plus jeunes arrivent à atteindre. Ils ont le nouveau esprit. Ils ont commencé à parler comme Branham. Ils ont commencé à prêcher comme Branham. Commencé à citer les citations. Commencé à marcher comme une chrétienne. Comme un chrétien. Venir à l'église tous les dimanches. Avec les brochures dans leur sac. Ça, c'est le nouveau esprit. Amen. On commence à discuter sur la parole là. Il y a un point, on ne s'entend pas dessus là. Quand on sort une citation de Branham, quand on brandit ça, il croit. Ça, c'est le nouveau cœur. Amen. L'apôtre Paul dit, la circoncision de la loi, c'est la lettre. Donc la lettre et puis ta circoncision de cœur et de l'esprit vont ensemble. La circoncision de cœur et de l'esprit croit la lettre. Puis t'amène. Donc, quand tu parles de la parole, dès qu'on entend une citation que Branham a dit, il se fie. C'est la peur que la personne a le Saint-Esprit? Non. C'est le nouveau cœur. Amen. Il n'a plus le cœur qui de pierre. Face à la lettre écrite, face aux citations, face à la loi, face à ce que Dieu a déjà fait. Mais il y a des personnes, tout ce que Dieu a fait avant, ils ne croient pas aujourd'hui. Même Dieu a montré si ça fait, ils ne croient pas. Tu montres la loi de Moïse, ils ne croient pas. Tu montres la Bible, ils ne croient pas. Mais il y a des gens, tu as montré ce que Dieu a fait hier, ils croient. Ce que la Bible a dit, il croit. Ce que Branham a dit, il croit. Mais ce que Dieu dit aujourd'hui, il ne croit pas. Amen. Quand Dieu avait envoyé l'Alliance en tant que le Nouveau Testament, ça avait conduit un peuple jusqu'à la destination. Et Dieu dit qu'il doit renouveler son Alliance. Amen. Ben, c'est ça, les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de répéter ce que les pharisiens ont fait. Aujourd'hui, dimanche, ils sont rentrés dans les églises. Or, c'est les pharisiens modernes. Les pharisiens avaient l'alliance qui était entre eux. Ce que Dieu avait donné à Abraham, la circoncision. Donc, quand ils coupaient leur pile, ils étaient juifs. Ils tombent, ils se réveillent, ils sont juifs. Amen. Mais quand Jésus était venu, ce genre de juifs n'a pas pu tenir. Parce que ça ne peut pas affronter la parole et puis croire la vraie parole révélée. Ça va croire les citations, mais ça ne peut pas croire la parole révélée. Amen. Mais c'était une alliance. Et cette alliance a produit la loi. Quand il a donné cette alliance-là à Abraham, ça produit la loi. Et c'est ça que l'alliance. Et c'est ça qui a fait que malgré que Jésus est mort, il avait le droit de les ramener au ciel. C'était un devoir pour Jésus. Jésus ne pouvait pas descendre dans l'enfer et puis sortir seul. Il avait un droit. C'est de racheter tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Une alliance est une obligation. Amen. Et Dieu vient donner une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament. Il y a une femme. Hein, au moment où vous vous mariez, il n'y a pas l'argent. Vous passez payer bas 500. Vous mettez au doigt. Vous faites le mariage. Un an après, à l'anniversaire de votre mariage, là, ça va un peu. Faire les différents, les 30 ans, vous avez fini ça. Là, tu peux payer une bague, un petit coup, 10 000. Donc, tu renouvelles votre alliance là. C'est votre anniversaire là. Mais ta femme doit accepter la nouvelle alliance. Si elle refuse, c'est la peur qu'elle veut plus être qu'on épouse. Donc les pharisiens ont refusé la nouvelle alliance. Que Dieu était venu renouveler au jour de l'anniversaire. Amen.
Donc quand ils ont les nouvelles, ils ont été répudiés et Dieu a commencé à chercher sa femme maintenant dans les nations. C'est là-bas que la nouvelle alliance a commencé à se mettre dans notre droit. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu a prévu un petit qui descend dans l'Apocalypse, qui va venir encore disqualifier ceux qui sont encore circoncis du cœur et d'esprit. La circoncision de la chair. Amen. Il dit que nouveau, ça c'est le livre de la rédemption. C'est ce livre-là que je vais prendre pour sanctifier le nouveau peuple. Parce que quand Jean même qui a écrit l'ancienne Bible, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, quand il a fini d'envoyer le petit livre, Dieu lui a dit, va prophétiser à nouveau. Amen. Il y a un travail de nouveau que tu dois faire. Ce que tu as fait avec ce que tu as écrit dans les débuts, ça, ça ne peut plus rien faire. Tu pourras parler le petit livre. Quand tu vas parler le petit livre, tu auras une nouvelle façon de voir la Bible. Tu vas parler différemment. Tu vas plus dire qu'ils ont mangé fruit. Un petit Jean devait percer sur le fruit, il allait du fruit. Dis amen. Si Jean s'arrêtait, peut-être qu'ils n'ont pas mis toutes ces prédications dans la Bible, ça c'est sûr. Sinon, certainement, il a forcément touché le fruit. L'arbre défendu. Quand il prêchait là, il a prêché pour lui. Que Adam et Ève, ils ont mangé pour lui. Dis amen. Mais devant là-bas, le petit livre qui descend. Dieu dit cet évangile-là, ne fait pas entrer là-bas. Il te faut avoir le petit livre. Tu vas prêcher différemment de ce que tu as prêché à tes gars. Ça, ça ne peut plus sauver quelqu'un dans le futur. C'est ce que tu as vu. Dis amen. Alors, c'était une nouvelle alliance. Dieu allait descendre une nouvelle vague. Parce que quand l'ange puissant descendait, avec ce petit livre, il y avait l'arc-en-ciel qui était en sec sur sa tête, qui était la nouvelle vague qui descendait. Donc Dieu allait mettre ça dans les mains de ceux qui allaient être circoncis en ce temps-là. La nouvelle circoncision. Amen. La circoncision éternelle. Amen. Dieu a donné le nom à Sarah. Il dit, ok, tu ne vas plus t'appeler Sarah, mais je te nomme Sarah. Ton mari, tu ne vas plus t'appeler Abraham. Il va t'appeler Abraham. Amen. Amen. Donc, en ce temps de la fin, nous, on avait déjà le cœur circoncis. Depuis longtemps, Dieu a déjà circoncis nos cœurs. Dieu ne vient pas encore pour circoncis quelqu'un. Dis amen. Si tu as cru en la Bible, tu es déjà circoncié. Les témoins qui croient en la Bible, ils sont déjà circonciés. Dis amen. Ils ont un nouveau cœur, un nouveau esprit. Tu vas trouver les témoins, ils ne portent pas pantalon. Les vrais témoins ne portent pas pantalon. Les vrais témoins, hein. Il y a les témoins que Satan même a créés. Mais il y a les vrais témoins que Satan n'a pas jamais dedans. Mais forcément, ça appartient à Satan si ça n'appartient pas à Dieu. Amen. Dans les vrais ténors, ou même quand tu les regardes, ils sont saints. Ils sont même plus saints que toi-même. Il n'y a pas de musique païenne dans leur maison. Nous-mêmes, souvent, même quand on a tout, on porte des badets. Il faut aller voir un pasteur ténor, il ne va jamais être en débadet. Mais il n'a qu'à voir tout comment il est en marche long. Tu n'es pas plus saint que lui. Amen. Alors, il a un certain nouveau esprit qui lui permet de comprendre que les musiques mondaines, il ne doit pas avoir ça dans sa maison. Même entre eux-mêmes, les démons, ils se critiquent de la façon qu'ils adorent. Et il y a certains qui disent, mais de toute façon, nos chanteurs, la chante, c'est pas comme ça. On doit chanter de la même façon différente du monde. Parmi eux-mêmes, il y a certains qui ont un nouveau esprit à une portion. Amen. Donc, quand Dieu descend en ce temps de la fin, avec le petit livre, c'est pas pour venir chercher à circoncider ton cœur. La circoncision du cœur et d'esprit est descendue depuis le Nouveau Testament. Ce n'est pas maintenant ça à descendre. Que le Nouveau Testament est descendu, ça a changé la circoncision de couper pine en circoncision du cœur et d'esprit. Donc, cette circoncision du cœur ne change pas encore aujourd'hui. Que le petit livre qui est dans l'Apocalypse, c'est pas pour changer ça, mais c'est pour compléter les âmes. Tout amen. Alors,
quand tu es descendant de temps de la fin, il te donne un nom nouveau. Un nom qui va te permettre de reconnaître la parole révélée. Pas la parole qui a été une citation, mais la parole qui vient de sortir du trône de Dieu. Puis ta main. La Bible dit, si quelqu'un a une inspiration, une révélation, une prophétie, ça doit être mis à la lumière de la parole. Et les anciens de l'Église doivent identifier cela. Tu veux ici? Avant que cela soit mis en application. Amen. Amen. Calmez les enfants. Donc, nous voyons que. Amen. J'étais où là? Qui suivait? Ah, vous ne suivez pas? Non, pas la circoncision. La Bible dit. Ah, c'est pas la tête. La Bible dit. Ok, tu vois donc? Voilà, ok. Elle a un peu raison. La Bible dit qu'une prophétie est donnée, une inspiration descend, une révélation est donnée, ça doit aller avec ce que la Bible dit, et puis les anciens de l'Église doivent examiner aussi. Amen. Voilà pourquoi dans l'Église, si quelqu'un a une inspiration, une révélation, une prophétie, ne devrait pas donner au frère directement. Ou bien au ciel directement. Hein? Je te donne un exemple simple. Comme nous, on rêve beaucoup. J'ai rêvé. Le frère François. Hein, il a une voiture. Hein, il a une voiture. Hein, quelque chose de banal comme ça, ça. Il a une voiture. Sans contrôler ce que je vais dire à la lumière de la parole. Et s'il y a les anciens dans l'église, sans aller vers eux pour leur dire, je vais faire directement vers le frère. Ah, Dieu m'a montré que dans une semaine, tu as la voiture. Et dans le rêve, il y a une semaine. Donc je répète ça. Dans une semaine, tu as la voiture. C'est ainsi dit le Seigneur. Et que une semaine arrive, et que le frère n'a pas eu la voiture, et que le frère croyait en moi, il peut ne plus croire en moi. Si c'est un nouveau frère, et que toi tu es un ancien qui a fait ça, il jette la faute à toute l'église. Et les dégâts que ça va créer, les doyens qui étaient là, qui devaient supporter, c'est eux qui supportent. Ah, je n'étais pas au courant. Bon, un autre exemple encore, ça me vient à l'esprit. Je vois que le frère Joël, hein, Dieu m'a révélé dans mon songe qu'il doit être évangéliste. Donc, un puissant évangéliste. Et puis je viens, je dis au frère, tu dois être évangéliste. Que Dieu m'a dit ça, tu seras évangéliste. Et que le frère, il est un peu nouveau. Hein? La Bible dit, ne donnez pas les responsabilités aux nouveaux de peur qu'ils hein, ils sentent un peu d'orgueil là. Mais il n'a encore rien fait. Il n'a encore prouvé de quoi que ce soit. Donc déjà, il commence à penser qu'il est évangéliste. Mais il commence à discuter avec son révérend, commence à discuter avec la parole avec son pasteur, commence à faire le gros tour avec le pasteur associé, quand il a trouvé les bagages, il sait qu'il ne soulève pas. Dieu connaît l'esprit humain qu'il a mis en nom. Parce que dit de ce n'est pas les responsabilités tôt. Maintenant, quand tu as une révélation, c'est comme si tu venais de la responsabilité de l'esprit. Donc,
Après, maintenant, les anciens ne comprennent pas le comportement de ce jeune homme-là. Il n'accepte plus ce qu'on dit. Il devient un peu rebelle les deux jours. Oh, il y a quelqu'un qui lui a dit le prophète. Il y a quelqu'un qui lui a dit l'évangéliste. Il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il sera pasteur. Il a commencé à compter sa partie. Oh, les anciens n'en savent rien. Au moins, il faut savoir que c'est le fait de l'action qui fait ça. Le dégât est déjà là, on ne peut plus arranger. Pour changer le dégât, c'est dur. Voilà pourquoi la Bible dit, chaque révélation, chaque parole, chaque prophétie, chaque inspiration doit être vue à la lumière de la parole. Et dans la parole, il est dit d'examiner ça avec les anciens. Avant de dire quoi que ce soit à la personne. Amen. Un frère, il m'avait approché. Là, ce n'est pas une révélation. Il dit, il y a un frère qui a raconté que, il n'est pas un frère, mais un païen, qui a raconté quelque chose sur le frère. Un païen. Et il avait à penser d'aller dire ça au frère directement. Et c'est par coïncidence, on s'est croisé et il m'a parlé. Il dit, ok, il a quelque chose dans sa tête, là, il ne sait pas si il doit me dire que si quelqu'un a une révélation à quelque chose, il va dire au passé d'abord, avant d'aller dire à la personne. Il dit, oui, tu peux le dire. Et si tu as que les dégâts, c'est sinon ça vient. C'est pas comment les choses sont. Tu me dis. Et quand il a dressé, il a dit, mais ça, tu ne peux pas aller dire au frère. Non, mais tu ne peux même pas croire à ça même. Et j'ai commencé à le décortiquer, comment il ne peut pas croire en ça. Et d'abord, c'est un païen qui t'a dit. Ça n'est même pas d'un frère. Ça s'en va l'utiliser pour qu'il la discorde. Donc toi, tu prends la chose, tu endosses, et puis tu ne dis pas, ben, ça vient d'un païen. Si jamais ça te rend trop, tu dis aux anciens. Dans l'église, il y a trois anciens ici. L'associé, le révélant et puis moi. Tu nous dis, on examine ça. Si c'est bon d'apporter au frère, si tu n'es pas bon d'apporter au frère, tu mets dans le tiroir. Donc, vous voyez, mais si le jour-là, on ne s'est pas croisé par coïncidence, ben, il n'a pas passé mes dix. Et qu'il partait relater ça, ça pourrait créer beaucoup de choses. Amen. Ben, ça pour dire ce que je veux dire là. L'Esprit de Dieu qui vient dans le cœur des gens, quand tu as reçu l'Esprit nouveau, le cœur, le nouveau cœur, tu reçois l'Esprit nouveau, qui te permet de penser différemment, commencer à aimer les choses de Dieu, tout cela, l'Esprit nouveau. Dans l'Esprit nouveau, Dieu te donne le Saint-Esprit. Donc quand Dieu te donne le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit est capable de discerner ce qui est fait de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Mais c'est cet esprit-là qui ne reçoit pas ça pour refuser toute révélation, toute inspiration. C'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Il y a seulement l'esprit nouveau et le nouveau cœur. C'est pour ça que le message est rempli d'esprit nouveau et le nouveau cœur. Amen. Le Père Benham dit, on n'a pas à avoir l'esprit de discernement, la Bible dit. Ce n'est pas l'esprit de discernement pour discerner. Le mal et le bien, le nouveau esprit, et le bon esprit. On doit avoir l'esprit de discernement. Alors, si le Saint-Esprit vient, tu as l'esprit de discernement en toi. La parole de Dieu vient, pas l'esprit de discernement n'est pas là pour discerner la parole écrite. C'est déjà écrit. Ça ne va pas jouer le rôle. Donc, pourquoi Dieu va te donner? Amen. L'esprit de discernement, ça veut dire qu'il y a des sons nouvelles qui vont descendre. Même comme Satan aussi a ses inspirations. Comme Satan aussi a ses révélations, il faut que tu aies le discernement. Amen. Et, il y a plein de gens qui parlent nos confrontations directes, Kakou Philippe. Le monsieur qui dit,
il a déjà parlé ça, mais il a dit un peu, parlé sur une pensée. Que on n'a qu'à rouler sans rétroviser. Et qu'il a démontré par ses prédications pour montrer à ses fidèles que on peut rouler voiture sans rétroviser. Aucun parmi nous n'avait le Saint-Esprit pour discerner que c'était le mensonge. Ils ont l'esprit nouveau. Ils se comportent comme nous. Ils ont le cœur nouveau. Ils croient la majorité de ce que Branham a parlé. Ce que la Bible parle, ils croient aussi la majorité des différents des païens qui les aident tous, des phénomènes qui les aident tous. Donc ils ont un certain niveau, un peu d'esprit nouveau. Ils acceptent qu'il faut un prophète dans sa âge. On les phénomènes disent qu'après Jésus, il n'y a plus de prophète. Donc eux aussi, ils ont augmenté, mais ils n'estiment pas, ils s'attendent aussi à augmenter. C'est ce qu'il a répété à les phénomènes, quand il crée qu'à vous, Philippe. Est-ce qu'il a complété là-bas? Donc, aucun parmi eux n'avait l'esprit de discernement, le Saint-Esprit dans le nouveau esprit, pour discerner que c'est du mensonge qu'a fait Philippe. Amen. Il fallait que le pasteur qu'a fait Philippe qui a parlé, on se croise pour qu'il soit démystifié ce menteur-là. C'est ça. Chaque fois qu'il va répéter ce passage, va répéter ça à quelqu'un, ta pensée va venir qu'il y a quelqu'un qui a déjà contré ça. Amen. Donc quand tu as l'esprit nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. Et si les gens du message avec le Saint-Esprit, ils allaient pouvoir avoir le discernement. De savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit pour discerner la parole qui vient, pas pour discerner la lettre. Tout ce que Benoît m'a dit, ça ne se discute pas. On croit. Et Satan aussi croit. Amen. Donc le discernement n'est pas pour lire les brochures. Le discernement, c'est pour écouter la parole sous l'inspiration. De savoir c'est quel niveau d'inspiration ça. Est-ce que ça, c'est une inspiration de vieille forme? Ou bien une inspiration de vieille taille? Dites amen. Il y a des inspirations actuellement. Hein. Mais quand moi je lis, je sais faire la part des choses. Branham a fait beaucoup la part des choses. Quand nous sommes dans le milieu où les vieux sages sont fabriqués des propres mains de Dieu, c'est Dieu même qui les fabrique. Et les vieux sages sont fabriqués des doigts de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Et ça est dans le message. Donc quand nous sommes dedans, il y a des révélations qui viennent pour les vieilles enfants. Que quand tu regardes, tu sais que ça, c'est pour les vieilles enfants. Et il y a des révélations, quand tu entends, tu sais que ça, c'est les révélations qui sortent de la chambre haute. Du lieu très, très saint. Tu t'amènes. La table du Seigneur. Alors, Dieu a placé ce lieu très très saint dans le nouveau esprit. Le troisième compartiment. C'est là-bas que tout ce qui te sauve aujourd'hui se trouve. C'est là-bas que l'âme de Dieu se trouve. C'est là-bas que se trouve l'éternité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la différence. Ce qui a fait la différence, il va finir bientôt. C'est seulement quand il a dit ça, les sœurs vont plus me croire. Amen. Ce qui a fait la différence entre Satan, entre les anges de Jésus et les anges de Dieu, est que les anges de Dieu avaient l'éternité en eux. Dieu a placé le âme en eux de ceux qui ne peuvent jamais tomber, ils ne vont jamais s'arrêter. Donc quand Dieu a placé l'éternité en eux, tout ce qui vient de nouveau, ça ne peut jamais les atteindre. Amen. C'est cette éternité-là que Dieu vient, il donne en ce temps de la fin. Amen. Quand il te donne cette éternité-là dans ton âme, il n'y a pas de possibilité que tu sois sur la terre ici. Et que tu vas passer par la mort dans cette troisième phase que nous sommes. Quand cette troisième forme représente la somme haute, le lieu très très saint, là où il va y avoir des gens qui ne vont plus jamais mourir. Amen. Donc l'éternité doit s'installer dans l'âme. Du temps présent,
dont le nom de Dieu soit entré en toi. Puis ta main. Oh, les vieilles sages, les vieilles formes, eux, ils n'auront pas ça. Eux, ils n'auront pas l'éternité en eux. Puis ils vont aller laver leur robe après. Amen. Mais les vieilles sages, qui seront des vieux vivants, Dieu va mettre l'éternité dans leur âme. De telle sorte que quand on va les appeler, il aura le surplus du nom de Dieu en eux. C'est l'adoption que Dieu donne. Quand Dieu donne l'adoption, il y a un nouveau nom. Un nouveau nom que Dieu ajoute à ton nom. Comme il a ajouté ça au nom d'Abraham. Puis ta main, c'est la maturité. C'est quelqu'un qui devient un patriarche. C'est quelqu'un qui a un domaine. Voici tenir debout. Dieu te donne un nouveau nom en ce temps de la fin. Il a représenté ce nouveau nom-là dans le nom de Branham. Pour dire que tous ceux qui seront des réels croyants, ils seront le âme là dans leurs âmes. Pas pour aller adorer ça, mais ils seront le âme là dans leurs âmes. Et ce âme là, c'est le nom de Dieu que tu avais donné à Abraham, qui vous donne aujourd'hui. Et quand ça entre en vous, il n'y a pas de raison que la mort entre. Même quand la mort vient, que ça frappe, ça n'en soit pas. Satan a tout essayé. Les petits anges, ça n'était pas eu. Ce sont les petits anges. Amen. Parce que vous, vos théophanies sont plus que les anges. Si vous êtes plus que les anges, si Satan en personne, il n'a pas pu faire tomber ces anges-là. Parce qu'ils avaient le âme de Dieu en eux. Ce n'est pas vous aujourd'hui en ce temps de la fin. Où Dieu a donné son âme dans votre âme. Satan va faire tout, il ne peut pas vous atteindre. Vous ne pouvez jamais tomber. Vous n'allez jamais faillir. Vous n'avez jamais péché. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez pécher. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Et il vous a mis dans la troisième dimension. Dans la troisième dispensation. Dans le lieu très très fin. Il vous a bloqué là-bas. Où tous les autres sont dans les deux dimensions. Le cœur et l'esprit. Alors si Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour avoir le discernement. Ce n'est pas pour refuser l'inspiration. Ce n'est pas pour refuser les révélations. Ce n'est pas pour refuser ce qui n'est pas écrit noir sur blanc. C'est pour voir et discerner les inspirations qui viennent de Dieu et les inspirations qui ne viennent pas de Dieu. Les gens qui sont dans l'esprit. Dans l'esprit nouveau et dans le cœur nouveau, ils marchent selon la lettre. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, ils marchent selon l'esprit, selon les révélations, les mal qui viennent de descendre, qui descendent à nouveau dans ce pays que nous sommes. Alors on va fermer les yeux. J'ai un nouveau cœur, ce n'est pas ça que Dieu demande aujourd'hui.